Les enfants de Dieu ont beaucoup grossi. Ouais. Vous avez grossi, beaucoup ont grossi. Quand on parle de jeunes, c'est moi, les gens disent, apôtre Jacques, même lui là, c'est lui qui donne tout jeune aux gens. Allez, il est venu encore. Alléluia. Hein? 3 semaines là, il est trop mangé. Amen. Voilà. Faut dire, il est trop mangé. Là, tu ne parles pas bien fort. Hein? Faut dire, j'ai trop mangé. Faut dire, j'ai trop mangé. Non, toi, faut dire, j'ai trop mangé. Si tu n'as pas dit, tu as gêné. Alléluia. Donc, le 10, lundi, demain, 10 jusqu'au mardi, dans beaucoup de jours, on va prendre un moment à fruits. Alléluia. Voilà, un moment à fruits pour toutes les églises. Revêt international, Jésus revient. Un jeûne à fruits de 2 jours. Et le thème s'intitule Seigneur, donne-moi le discernement. Alléluia. Le peuple de Dieu a besoin du discernement. Amen. Les enfants de Dieu ont besoin du discernement afin de connaître ce qui est caché. Alléluia. Le Seigneur dit dans Deutéronome 29, verset 29 que les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont à nous. Amen. Gloire à Jésus. Alors, pendant ces 2 jours, tu vas prier et demander au Seigneur Jésus de te donner le discernement. Parce que tout ce qu'on entend, très souvent ne vient pas du Seigneur. Tout ce qu'on voit ne vient pas du Seigneur. Que ce soit à la délivrance, que ce soit par les témoignages même qu'on voit sur les réseaux sociaux, des témoignages surtout de l'enfer. Oui. Beaucoup ne viennent pas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont besoin du discernement. Amen. Quelqu'un va te dire que lui, il est chrétien. Il est de la sainte doctrine. Mais si tu n'as pas le discernement, comment est-ce que tu peux le savoir? Quelqu'un va vouloir manifester le don de prophétie en commençant à parler en langue. Si tu n'as pas le discernement, comment est-ce que tu vas savoir que ça ne vient pas du Seigneur? Alléluia. Alors, on va prendre les versets, les différents versets rapidement. On va noter, prenez rapidement votre cahier, un stylo, et on va rapidement noter les versets. Jeûne à fruits. Thème. Seigneur, donne-moi le discernement. Verset 1, roi 3, verset 11 à 12. 1 roi 3, verset 11 à 12. Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, verset 9. 1 roi 4, verset 29. 1 roi 4, verset 29. Hébreux 5, 14. Hébreux 5, verset 14. Psaume 119, verset 125. Psaume 119, verset 125. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Ézéchiel 44, verset 23. Ézéchiel 44, verset 23. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. 1 Corinthiens 2, 14. Je reprends rapidement. 1 Roi 3, verset 11 à 12. Proverbe, chapitre 8, verset 9. 1 Roi, chapitre 4, verset 29. Hébreux, chapitre 5, verset 14. Psaume 119, verset 125. Deutéronome 29, verset 29. Ézéchiel 44, verset 23. Psaume 119, verset 125.
Deutéronome 29, verset 29. Ézéchiel 44, verset 23. 1 Corinthiens 2, verset 14. Jérémie 33, verset 3. Et pour terminer, le dernier verset qu'on vient d'ajouter, Psaume 28, verset 1. Le dernier verset qu'on ajoute, Psaume 28, verset 1. Psaume 28, verset 1, c'est le dernier verset.